Concrètement, sur ce projet, il a été décidé d'équiper ce qu'on appelle des caissons jarlants, c'est-à-dire ce sont des chambres qui permettent de ralentir les houles, avec des ouvrages intégrés qui ont été travaillés de manière à ce que la structure soit plus rugueuse, ce qui favorise l'accroche des espèces. Monaco est pionnier sur des aspects de calcul, d'efforts sur des structures qui sont dimensionnées pour durer un siècle, ce qui est énorme. Et en même temps que ces infrastructures destinées à résister pendant un siècle aux assauts de la mer, des tempêtes, soient également support de biodiversité.